Le Hajj d'adieu. Depuis sa construction par le prophète Ibrahim, alayhissalam, la Sainte Kaaba a toujours été un lieu de culte. Au fil des années, ce culte s'est détérioré pour devenir des pratiques étranges et indésirables. Les gens dansaient nus autour de la Sainte Kaaba et ils avaient installé des idoles à l'intérieur. Même après la conquête de la Mecque par les musulmans, alors que les idoles ont été démolies, les gens ne savaient toujours pas comment se pratiquer le Hajj précisément. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala recommanda au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre part personnellement au Hajj en l'an 10 AH, afin que les gens n'aient plus de doute quant à la manière de l'exécuter. Il aurait également l'opportunité de montrer par les pratiques les actions obligatoires, wajibat, et se débarrasser des vieilles pratiques indésirables. Il pourrait aussi instruire les gens sur les frontières de Mina et Arafat et leur apprendre à repérer le moment où ils doivent quitter ces lieux. Ayant ces objectifs à l'esprit, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se prépara à son séjour. Le 11e mois du calendrier islamique, Zilkad, il annonça son intention d'accomplir le Hajj cette année-là. Cette nouvelle enthousiasma beaucoup les musulmans et des milliers de gens se rassemblèrent aux portes de Médine attendant le départ du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en route pour la Mecque le 28 Zilkad 10 AH. Il prit avec lui 60 animaux à sacrifier. À la mosquée de Shajara, il se revêtit de son ihram qui consistait en deux morceaux de tissu simple. Alors qu'il enfilait le ihram, il récita cette prière connue commençant par le Labbayk qui est une réponse à l'appel du prophète Ibrahim alayhissalam. Il continua ainsi jusqu'à atteindre la Mecque où il cessa de réciter. À la Mecque, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit directement à la sainte mosquée, le Masjidul Haram, qu'il pénétra par la porte de Shayba. Là, il se mit à louer Allah subhanahu wa ta'ala et à bénir le prophète Ibrahim alayhi salam. Pour le tawaf, il se mit debout en face de la pierre noire avant de faire le tour de la sainte Kaaba cette fois. Après quoi, il se mit derrière le Mokam et Ibrahim alayhi salam où il effectua une prière de 2 rakat pour le tawaf. Ensuite, il commença le Sey, c'est-à-dire à faire le va-et-vient entre les monts de Safa et de Marwa 7 fois. Il partit du mont de Safa pour finir à Marwa. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna ensuite vers les pèlerins et dit: ceux qui n'ont pas apporté de bétail à sacrifier doivent quitter le ihram et accomplir le taksi qui consiste à se couper les cheveux et les ongles. Ils devront considérer qu'ils ont accompli le umra en ayant accompli tout ce qu'ils ont fait et revêtir le ihram pour le hajj. Mais les autres, comme moi-même, qui avons apporté du bétail à sacrifier, nous garderons ihram jusqu'à l'abattage des animaux à Mina. Pendant ce temps, Imam Ali alayhi salam rejoignit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Il revenait du Yémen. Il entra à la Mecque accompagné de ses soldats et il apportait les vêtements remis par le peuple de Najran comme tribut. Il avait aussi apporté des animaux à sacrifier et garda donc le ihram. Une fois le umra accompli, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam attendit le moment d'effectuer le hajj. Il ne résida chez personne à la Mecque, mais planta sa tente hors de la cité. Le 8 Zilhajj, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Arafat
en passant par Mina et demeura à Mina jusqu'au lever du jour, le 9 Zilhodj. Puis, il enfourcha son chameau et arriva à Arafat. Alors qu'il était encore sur son chameau, il s'arrêta à un endroit appelé Numra et délivra son célèbre et discours historique à des milliers de gens rassemblés là. Le saint prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam s'adressa au peuple et fit un bilan de son enseignement. Il reprit tous les éléments majeurs et mineurs des principes islamiques afin d'ôter le moindre doute dans leurs esprits. Lorsqu'il eut fini, il accomplit ses prières de midi et de l'après-midi à la tête de 100 000 hommes. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, resta à Arafat le 9 Zilhajj jusqu'au coucher du soleil. Et avant que la nuit s'installe, il s'en alla pour Muzdalifa où il passa une partie de la nuit. Il fut ensuite à Mashhad, entre le crépuscule et le lever du soleil. Le 10 Zilhajj, il se rendit à Mina, où il prit part au Rami Jamarat, lapidation des piliers, au sacrifice des bêtes et au taksir. Puis, il retourna à la Mecque, où il accomplit le dernier tawaf et il instruit les gens aux cérémonies de la clôture du Hajj. Ce Hajj est connu sous le nom de Hijjatul Wida, le Hajj d'adieu, car il s'agissait du dernier Hajj accompli par le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Pendant ce Hajj, il expliqua concrètement chaque aspect du Hajj afin qu'il ne demeure aucune confusion plus tard. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait le terrain pour son départ, car il savait qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre sur terre et que Allah l'appellerait bientôt à lui.